Yannis Ritsos, 75 ans, l'un des plus grands poètes de la Grèce, vit à Athènes dans cette pièce, entouré de livres et de tableaux. Yannis Ritsos a toujours été étroitement lié à l'histoire de son pays. Ses poèmes chantent la Grèce et la tragédie parfois subie par les Grecs. Mis en musique par Mikis Theodorakis, ils sont devenus des chansons populaires dans laquelle la jeunesse grecque a reconnu sa propre voix. D'un poème, d'une chanson, elle a fait son hymne. Ces arbres ne peuvent supporter moins de ciel. Ces pierres ne peuvent supporter le pas de l'envahisseur. Ces visages ne peuvent supporter que le soleil. Ces âmes ne peuvent supporter que la justice. Ce paysage est dur comme le silence. Il serre sur sa poitrine ses pierres brûlantes. Il serre sous la lumière ses oliviers orphelins. Il serre les dents. Il n'y a pas d'eau, seulement de la lumière. Le chemin se perd dans la lumière. Métal et l'ombre de l'enclos. Ta mavra φτερά. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου. Οι ρίζες των δέντρων σκοντάφτουν σε υπόγεια αγάλματα. Δεν υπάρχει νερό. Όλοι διψάνε χρόνια τώρα. Στη Θεσσαλία στα βουνά. Τα φύλλα, την καρδία μου. Τα μάτια τους είναι κόκκινα από την αγρύπνια. Μια βαθιά χαρακιά σφινωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι. Το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους. Το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους. Έχουν στα χείλη τους απάνω το θυμό και έχουν τον καημό βαθιά, βαθιά στα μάτια τους. Σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. Και μήπως έφερες κι εσύ του φανέρωση στη πόρτα φαινακάρτερη. Pourquoi Hadès vous a-t-il tous enlevés?
και απαντένεστε ξερί. Υπερατήκη σκοτωτή. Toi, mon père. Toi, ma mère, et toi, mon frère fusillé. Vous étiez l'arbre de la maison. Vous étiez l'ombre large qui nous protégeait. L'arbre est tombé quand vous êtes parti. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus son odeur. Son odeur s'est évanouie. Επιτάφιος. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, une mère, κατά μεσής του δρόμου, au milieu de la rue, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί, pleure son enfant assassiné. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών. Sur elle se brisent les vagues des grévistes. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Elle, elle continue sa plainte. Γιέ μου, σπλάχνω των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής. Αν θέτεις ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις, δε γρικάς τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου, εσύ που γιατρεύες κάθε παραπονό μου, που μάντευες τι πέρναγε κάτω από το τσίνορό μου, τώρα δε μη παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα. Και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου μισέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Ανοίξιγε που αγάπαγες και ανεβαίνες απάνω. Épitaphe a été écrit avant la guerre. Cette phase de la lutte, moi, je ne l'ai pas vécue. J'étais trop jeune. Mais Ritsos, lui, l'a vécu. C'était la dictature de Metaxas, un régime répugnant, issu du féodalisme des influences étrangères. Féodorchias, mais que ξέρες επενβάσεις και λοιπά, το οποίο τελικά αποξαλώθηκε η δικτατορία του Μεταξά. Ο Ρίτσος αντέδρασε με το ποίημα. Ρίτσος a réagi avec ce poème. Ποίημα είναι, επειδή ακριβώς ο στόχος του Ρίτσου ήταν ακριβώς να καταγγείλει μια συγκεκριμένη. Il a voulu dénoncer l'assassinat de ses ouvriers. C'est pourquoi il a choisi de s'exprimer sous la forme de la lamentation, qui est la poésie populaire.
la lamentation de la région de Mani. Bien qu'à cette époque, sa poésie était plutôt influencée par le surréalisme. Et en mettant ce poème en musique, je pus trouver une forme savante à une expression populaire, ce qui résolvait mon problème d'alors. J'ai suivi la même ligne que Ritsos. J'ai cherché à retrouver les racines de lamentation de Mani. J'ai écouté aussi la musicalité du poème lui-même. Et j'y ai inclus les sonorités de la Grèce tout entière, aussi bien celles des îles que celles de Mani ou des villes, comme le Rebetika chanté dans le faubourg. Nous venons ici dans cette vieille taverne pour boire et chanter. Le patron a fait la guerre civile et c'est là qu'il a été blessé à la jambe. Le son du bouzouki, c'est comme un bébé qui pleure. C'est une plainte. Pour moi, la lamentation de la campagne, c'est la même que celle des Rebetika de Faubourg. Répression, douleur, exil, la misère, mort, guerre, déportation, prison, ça c'est l'alpha et l'oméga. Thank you.
Εσύ που κλαις το θάνατο, δεν μας γνωρίζεις. Η θάλασσα δεν κλαίει, τραγουδάει. Et c'est ce chant-là qui efface tout le deuil, toute la dureté des temps que nous vivons, et du temps lui-même. Parfois, il abolit la mort même. Oui. Nous avons bâti nos maisons sur la mer. Dans un de mes poèmes, je parle des pierres. Indestructibles, stables, exactes, puissantes, comme le rocher de mon Emvasia. Le silence dur de la pierre face à la sonorité immense de la mer. Ματούλα! Mon Evasia, c'est mon vaisseau de pierre qui me fait voyager dans le monde entier. Ρίτσος αίμε μον Ευασιά. Έχει περάσει και μέρες καλές, έχει περάσει και μέρες. Il a connu des jours heureux ici. Έχει περάσει μέρες πάρα πολύ ωραίες σαν παιδί. Surtout dans son enfance. Μεγάλωσε, οικογένειά του. Sa famille était aisée alors. Όπως όλοι. Όλη η οικογένεια των Ριτσέων διότι ήταν πλούσιοι και φτώχοι. Mais malheureusement ça a mal tourné pour eux. Πώς και τα καταφέρανε. Και υπέφερε και ίδιος. Et lui, c'est un homme qui a souffert. Les déportations, les persécutions, tout ça. Mais il a tenu bon, comme mon mari, qui était démocrate et qui est mort démocrate. Il était l'oncle de Ritsos. Ritsos est mon neveu. Tous ses poèmes sont beaux. Il a du talent. Ce n'est pas parce qu'il est de la famille que je dis ça. Et dans sa bouche, même les mots de tous les jours deviennent des poèmes. Le poète, pour nous, c'est un grand homme, un homme supérieur, avec des sentiments élevés. N'importe qui ne peut pas être poète. Est-ce que moi, je peux être poète ? Τι ρομιώσει, μη μη την Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κόκκαλο με το λουρί στο σβέρκο. Τι ρομιώσει, μη την κλαις, να την πετιέται, να την πετιέται. Τα σπίτια μας είναι χτισμένα πάνω σε άλλα σπίτια, ευθύγραμμα, μαρμάρινα, και εκείνα πάνω σε άλλα. Τα θεμέλια τους κρατιούνται πάνω στα κεφάλια όρθιων αγαλμάτων, δίχως χέρια. Έτσι, όσο χαμηλά στον κάμπο, κάτω από τις ελιές και να παγκιάζουν τα καλύβια μας, μικρά, καπνισμένα, με μια στάμνα μονάχα πλάι στην πόρτα, θα ρίσεις πως μένεις στα ψηλά και σου φέγγει ολοτρόγυρα ο αγέρας ή κάποτε θα ρίσεις πως είσαι έξω από τα σπίτια μονάχος κάτω από έναν ουρανό τρομακτικά γαλάζιο ή άσπρο και ένα άγαλμα καμιά φορά ακουμπά ελαφρά το χέρι του στον ώμο σου.
Le poème dit repose légèrement. La sculpture grecque antique est faite dans le poids du marbre. Et pourtant, elle vole. Et la victoire, malgré ses ailes coupées, vole toujours, elle aussi. L'art allège tout ce qu'il touche. Bien sûr, on dit souvent que nous avons un héritage trop lourd à porter et qu'il nous écrase. Erreur. Il y a une continuité, la preuve, notre langue elle-même. Depuis que je suis tout petit, je cultive cette terre. Je l'aime. Un arbre n'est pas coupé de ses racines. Sans terre, il n'y a pas de vie. Toute la nourriture vient de la terre. Peu importe qu'il y en ait peu ou beaucoup. Prenez un paysan, courbé sur sa charrue pour labourer la terre. Il se redresse. Et parfois, il voit trois colonnes d'un temple antique. Il ne sait pas exactement depuis combien de temps elles sont là. Mais elles font partie de son paysage. Il se dit, c'est à moi, comme ma terre, comme mon arbre qui sont à moi. L'arbre, ses branches et ses feuilles, ses fleurs et ses fruits sont la continuité de ses racines. Aux Amériques, au Canada, en Australie, en Allemagne, les gens sont partis. Partis. La moitié. Vers tout le coin de l'horizon. Φεύγουν από τα χέρια τους για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα. Thank you.
σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Μη τα λυσίδα στου Ρωμίου και στα γεριού το πω. Δέντρο το δέντρο, πέτρα πέτρα πέρασαν τον κόσμο, μαγκάθια προς κεφάλι πέρασαν τον ύπνο. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια, σαν ποτάμι. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια οριά ουρανό για να τον δώσουν. Και όταν χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια θράεμαν τα ταβάνια και κουδουνίζανε τα γελικά στα ράφια. Στα σκοτάδι το πηχτό. Το μεσημέρι κοιτάνε στο γραφείο, μετρώ τους δίκους στο αίμα μετρώ. Φίλες πεθάει κουμπίνι στο σφαγείο, γερατή αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ τη θάραξα τον Ανδρέα, μετρώ τους δίκους στο πόνο μετρώ. Πίσω από τον τοίχο παλίκα είμαστε παρέα. Τα κράκ εσύ, τα κράκ εγώ. Όταν σκοτώνονται. Συνεταίρεσε πάρα πολύ. La musique de Théodorakis a beaucoup aidé ma poésie. Κατά αυτόν τον τρόπο η ποιήση. Elle lui a permis de pénétrer dans tous les foyers. Έφτασε μέσα στις ταβέρνες. Dans toutes les tavernes et dans les rues. Και στους δρόμους. Το τραγούδισαν σε διαδηλώσεις. Par exemple, mon poème, L'âme grecque, était chanté dans les manifestations et aussi dans les grands moments de l'école polytechnique. Elle était diffusée sur la radio libre de l'école occupée par les étudiants. Elle ouvrait et clôturait les émissions. Ça a beaucoup contribué à créer un climat d'enthousiasme et à forger les certitudes en la victoire et en la chute de la dictature. Τι τραγούδι τράνταξε τα κορφοβούνια. Το χώμα ετούτο που μας κοβολούσε τα χαράματα. Το χώμα που ήταν δικό τους και δικό μας αίμα τους. Πώς μύριζε το χώμα. Και τώρα πώς κλειδώσανε την πόρτα μας τα μπέλια τους. Πώς λίγνεψε το φως πάνω στις στέγες και στα δέντρα. Ποιος να το πει πως βρίσκονται οι μισοί κάτω από το χώμα. Κι άλλη μισή στα σίδερα.
με τόσα φύλλα να σου γονεύει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα να λάμπει ο ουρανός και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Τόσα χρόνια πολύ ορκημένοι από στεριά και θάλασσα. Όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φύλλα να σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα να λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Σώπα, όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Κάτω από το χώμα, μες στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν. Προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση, τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Εγώ ήμουν εξόριστος στα βουνά της Αρκαδίας. Le colonel m'avait exilé dans les montagnes de l'Arcadie et Ρίτσο s'était déporté à l'île de Léros. Au cours d'un transfert, j'ai dit à un camarade qui, lui, était dirigé sur Léros, « Dis à Yannis que j'attends des poèmes pour les mettre en musique. » Le message est parvenu à Ρίτσος qui a écrit, entre autres, « L'agressité ne la pleure pas. » La police a appris ma démarche. Un jour, le chef vient me trouver et me dit « Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Ρίτσος ? Nous avons reçu une circulaire qui dit « Il faut contrôler avec vigilance le courrier de Théodorakis. Il ne faut surtout pas qu'il reçoive un texte signé Yannis Ρίτσος. » Alors je me suis exclamé « Oh, quelle gloire ! La police et l'armée tout entière occupaient à empêcher la poésie de la mer de parvenir jusqu'à la musique de la montagne. » Crécité, l'âme grecque. Comme diraient les anciens, c'est au plus profond de nos ténèbres sacrées. Chaque peuple a un noyau indestructible, son atome. Ce qui fait l'essence même de l'histoire d'un peuple. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλη με τα κατάκλειστα σπίτια. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός. Έλληνες, ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Από τις εκατομμύρια πράξεις. Tous les actes héroïques quotidiens. Από τα εκατομμύρια της δημιουργίας. Toutes les œuvres importantes d'un peuple.
Tout se déforme même. Tout ça converge pour créer un front commun. Cette personnalité d'un peuple se manifeste dans les grands moments. Aujourd'hui, cette petite flamme cachée quelque part au fond de l'âme grecque risque de s'éteindre. Dans certains pays, elle est déjà éteinte. Et c'est quoi cette petite flamme pour nous? L'âme grecque égale liberté. Une chanson, c'est la liberté. Un poème, c'est la liberté. L'acropole derrière, c'est la liberté. Une victoire sur l'usure. Une victoire sur la mort. Après 40 ans de lutte, nous sommes aujourd'hui dans une impasse. La société de la technologie risque de tuer la spontanéité, le rêve, l'enthousiasme, la fantaisie, la chimère même, tout ce qui fait Dionysos. Et ce n'est pas un hasard si ma dernière œuvre s'appelle Dionysos. Toute cette partie d'Athènes s'appelait les quartiers de l'Est. C'est là que la résistance a combattu les Allemands pendant l'occupation. C'était l'armée populaire de libération, constituée de 20 000 jeunes gens qui combattaient. Dionysos, il représente pour moi la jeunesse qui s'est battue en 1944 et qui est morte au combat. Mais Dionysos, c'est un dieu, et il ne peut pas mourir. En octobre 1944, les Allemands quittent Athènes et les Anglais arrivent. Au bout de 2 mois, la guerre civile commence contre les gouvernementaux, soutenus par les Anglais. Le matin du 4 décembre, les résistants font mouvement vers l'Acropole. Les Anglais sont déjà là. L'Acropole est décrétée de commun accord, zone neutre. Mais les Anglais trahissent cet accord et reste sur l'Acropole. Vers le 10 décembre, les combats commencent autour de la caserne de la gendarmerie de Makrigiani. Dionysos était face à la caserne et il a reçu une balle anglaise en pleine tête. Il tournait le dos à l'Acropole. Toutes les rues donnent sur l'Acropole. Les Anglais tiraient de l'Acropole. Et même du toit du Parthénon. C'est à partir de ce moment que commence mon cortège imaginaire qui s'est formé au pied de l'Acropole. Cette procession porte Dionysos et tous les jeunes garçons et filles tués dans les luttes. Toute cette jeunesse
est vouée au printemps. Elle est couverte de fleurs. Ce cortège imaginaire dure depuis 40 ans. Et pendant ce temps-là, le peuple criait « Dionysos vit, Lambrakis vit, Petroulas vit ». Depuis tant d'années, tous ont faim, tous ont soif, tous ont été tués, assiégés par terre et par mer. La chaleur a dévoré leurs champs, le vent a jeté par terre leurs portes et les pauvres lilas de la place. La mort entre et sort par les trous de leurs manteaux. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de balles. Ils n'ont plus que leur cœur pour charger leurs fusils. Για και χαρά σας φίλοι μου δικαστές, είμαι μπροστά σας βγάλτε νύχια και φωτιές, η τιμωρία τρομερή. Dionysos avec une grande passion, l'agressité. Aujourd'hui, après le colonel, je ne me reconnais plus dans les masses. La petite flamme n'est plus qu'un fantasme. Elle s'est évanouie quelque part. Nous vivons ensemble, dans le même pays, même langue, même tradition, même défauts et même qualités. Et puis quoi ? Le naufragé envoyait des messages dans des bouteilles jetées à la mer. Pour nous, en déportation dans les îles désertes, à Macronissos, la mer était interdite, sauf quand on nous y jetait, enfermés dans un sac avec un chat. Pour sauver mes poèmes, je les écrivais sur le tout petit bout de papier numéroté 1, 2, 3. On les mettait dans des bouteilles scellées et on creusait la terre pour les enterrer. On se disait qu'il y en aurait bien l'un d'entre nous qui survivrait pour les déterrer un jour. Et
τιμωρία, πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος. Qu'est-ce que ressentent des hommes punis à tort? Οι απρόστιμοι θα υποστούν βαριτά τα σκυρώσεις. Προς αποφυγήν... Vous savez, la position de celui qui est puni est avantageuse, finalement. Celui qui punit, celui qui torture, n'imagine pas ce que c'est, ni comment la torture est vécue. Par contre, celui qui est torturé a la possibilité d'approfondir sa réflexion sur les rapports humains, sur la dureté humaine et comment lui faire face. Et il a l'avantage de sentir naître en lui des forces dont il ne soupçonnait pas l'existence. Moi, au fond de ces ténèbres, face à cette répression, à ce martyr de la déportation, j'opposais obstinément l'existence de la beauté et de l'amour. Je les figurais sur ces pierres et personne ne pouvait soupçonner que c'était une dénonciation. Et pourtant, c'est en dessinant la beauté que je dénonçais beaucoup plus fortement la laideur et l'injustice. Si je choisis de dessiner la forme humaine, c'est sans doute dû à l'influence de la Grèce antique. Les pierres que nous portions étaient lourdes. Mais n'oublions pas que le poids le plus lourd est celui de la lumière qu'on ne peut donner. Κάθετος βράχος. Όλη μέρα να πίνει το λιοπύρι, να το κρατάει στα σπλάχνα του κατάντη Χριστοπέλαγος. Και εσύ, με την πλάτη ακουμπισμένη στο βράχο, με το στήθος ολάνυχτο στη θάλασσα, μισός φωτιά, μισός δροσιά, κομμένος εγκάσια, διπλός, σε έναν αγώνα μόνο, να σμίξεις το νερό με την πέτρα.